temps, il faut aller très très Alexandra vite. Solaire. On va passer à la poutre avec. Ah oui, on ne manque pas Cécile Canquetot parce que j'ai toujours dit qu'elle avait une ressemblance étrange avec les grandes gymnastes russes. De par sa morphologie, de par sa silhouette, de par aussi son visage. Je voudrais me confier, ben, ça me fait plaisir parce que ma grand-mère est d'origine russe. La maturité de cette équipe de France. Jamais blessé. C'est assez étonnant. Bien. Beaucoup de classe. Comme dirait Arthur Magakian, elle dégage quelque chose qu'on n'arrive pas à saisir. Poisson que tout le monde connaît et qu'on ne présente plus. Aïe, 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 non. Vous voyez comme elle se rattrape bien. Allez, la dernière, c'est bien, elle va gagner. Voilà, c'est pile. Cécile Canquetot va gagner la finale de la poutre. Je pense qu'à Bercy, on la verra. C'est Ludivine Furnon hein, qui vient. Oui, Ludivine Furnon et Elvire Tesa qui se sont qualifiés. Qui se sont qualifiés. Mais ben, on reverra sans aucun doute notre Cécile Canquetot au prochain championnat du monde à Lausanne. Voici donc une évolution au ralenti qui nous permet de voir. Il n'y a même pas un frémissement de sa queue de cheval.